Bonjour. Le samedi 23 mars dernier, au Mas de Lille, la commune du Barcarès a eu le plaisir de recevoir le festival Radio Crochet 2013. Nous avons donc accueilli 12 candidats représentant la Salanque. Le gagnant du Radio Crochet 2012, Chris Jacotez, également barcarésien, était cette année membre du jury, jury dont j'ai eu l'honneur d'être la présidente. Tout au long de la soirée, le groupe Captain Crochet a dynamisé le show de reprises de standards de rock français. Charles Jésus-Pré, chanteur et guitariste du groupe, est également le directeur artistique du festival Radio Crochet. Au terme d'un show de grande qualité, nous avons pu déterminer les 3 candidats gagnants et c'est avec plaisir que j'ai pu annoncer les résultats. Aux côtés de Laura, notre lauréate barcarésienne, Chris Martin de Villelongue de la Salanque et Audrey Stéphanie, autre barcarésienne. Décidément, nos jeunes barcarésiens ont du talent. Gagnante a chanté d'un ou d'amitié. La grande gagnante du Radio Crochet qui représentera la Salanque lors de la finale du 15 juin prochain. Ça va ? Ça va ! Oui ! Je vous dis, elle rit tout le temps, même quand elle pleure. Elle n'a pas... J'y croyais pas. J'ai entendu le nom de ma chanson, j'ai dit c'est pas moi, c'est pas possible. J'y croyais vraiment pas. Parce qu'il y avait vraiment de très très belles voix, de très très belles prestations et je pensais vraiment pas être la première, pas du tout. Je suis passée 11e, donc j'ai encouragé toutes les personnes qui étaient avant moi. Et au moment de passer, je me suis dit ah, c'est à moi, bon on y va et tout. En plus, on est au Barcarès, à la maison, donc faut pas décevoir. Après, c'est parti tout seul. À 10 ans, j'ai fait partie d'une chorale. Puis après, jusqu'à 12-13 ans, après j'ai arrêté. Puis il y a 4 ans, j'ai voulu m'inscrire au premier concours de chant que j'ai fait. C'est le Radio Crochet des PO. J'ai dit, pourquoi pas essayer. La vie, elle est trop courte, alors faut tout essayer. Et voilà, je me suis lancée. Avant d'entrer sur scène, j'ai aucun rituel. Je me dis, voilà, faut pas oublier les paroles et je pense à rien du tout. Quand, voilà, je suis dans ma chanson et j'oublie tout. J'ai dédié ma victoire à mon papy, voilà, qui est parti en début de soirée, parce qu'il y a eu un petit malaise. Et voilà, je me suis dit, cette victoire, elle est pour lui. Puis en même temps, je pensais aussi à mon parrain, voilà, qui nous a quittés il y a maintenant 4 ans. Et voilà, je dis, je veux qu'il soit fier de moi. Et voilà, j'espère qu'il est. Pour le 15 juin, je suis motivée à fond. Je représenterai la Salanque et le Barcarès à 100%. Voilà, j'espère que j'aurai tous mes supporters barcarésiens qui seront là. C'est un rêve, surtout un rêve qui commence. Je suis très fier d'elle et ému en même temps. Parce que elle m'a dédié cette chanson alors que je n'étais pas là. Ça me fait un très grand plaisir parce que Laura, elle a fait beaucoup de progrès en peu de temps. On l'encourage, oui, le maximum, parce qu'on voit qu'elle a cette volonté et envie de bien faire. Je pense que si elle persiste, elle peut arriver assez loin. Et je pense que le 15 juin, ça sera la gagnante. Et ça serait mon plus grand désir.